Préfiguration de ce que sera le match de rugby France-Galles, le drapeau tricolore supplante le poireau, l'emblème des Gallois, avant le coup d'envoi donné en présence de 70 000 spectateurs. Le match débute mal pour les Français, maillot légèrement plus foncé que les Gallois, 7 minutes de jeu et c'est un coup franc que réussit Morgan. Mais on est cependant très vite rassuré pour l'équipe de France qui domine le pays de Galles avec une facilité presque insolente. La troisième ligne française impose sa manière de jouer à ses adversaires. Prost, Moncla et Celaya partent à la main et marquent un très bel essai que transforme Vanier 5 à 3. Deuxième mi-temps, le trois-quarts centre Jackie Bouquet numéro 13, Perse, passe le ballon à Albaladejo numéro 10 qui botte à suivre. Émeric va marquer un deuxième essai pour la France, 8-5. Et le festival offensif de l'équipe de France se poursuit. Le ballon vole de main en main. La troisième ligne française continue de donner le ton. Les deux nouveaux demi, Lacroix et Albaladejo, lancent attaque sur attaque. L'une de ces attaques se termine par un nouvel essai marqué par Lacroix. Certains de leur supériorité, les Français se mettent à souffler un peu. Ils ont tort. Durant une dizaine de minutes, en effet, au cours de la deuxième mi-temps, les Gallois donnent le frisson aux supporters français. C'est d'ailleurs le cas en ce moment. Galles attaque et Bouquet in extremis sauve une situation désespérée. Finalement, c'est très logiquement que la France gagne par 16 à 8. L'Union sud-africaine vit aujourd'hui des heures graves. La campagne de désobéissance civile entreprise par la population noire pour protester contre les lois de ségrégation raciale a commencé dans le sang. 70 morts et 170 blessés dans les rangs des manifestants, tel est le bilan de cette première journée dramatique. Au milieu de cette atmosphère explosive, on voit mal comment le gouvernement pourrait maintenir par la force les lois raciales imaginées par le célèbre docteur Malan, contre lesquelles sont dressés désormais les 11 millions de Noirs de l'État sud-africain. La première journée de son séjour à Paris n'avait pas épuisé le carnet de rendez-vous de M. Khrouchtchev. Le lendemain, la foule devait le revoir à l'hôtel de ville. Il n'est pas en effet d'homme d'État en visite que la ville de Paris ne tienne à recevoir chez elle. Et après avoir visité la salle des prévôts, le président soviétique a sacrifié à la petite formalité du livre d'or. À Paris, M. Khrouchtchev avait aussi rendez-vous dans un deux-pièces cuisine avec le souvenir d'un certain Vladimir Ulyanov, qui avait vécu là pendant 3 ans, voici un demi-siècle, et que le monde connaît mieux sous le nom de Lénine. Le président soviétique devait encore faire les honneurs de sa table au général de Gaulle, une table où tous les plats avaient été soigneusement vérifiés. Au pavillon Dauphine, enfin, M. Khrouchtchev avait rendez-vous avec 250 journalistes. Petite manifestation sportive pour laquelle il a un faible. Et maintenant, j'attends vos questions. Comme on dit. Пожалуйста, в вашем распоряжении. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé chez le général de Gaulle? Какое ваше самое выдающееся впечатление от генерала де Голля? Самое выдающееся впечатление. Что вас больше всего поразило? Non, mais on peut traduire. J'ai eu l'impression la plus frappante. C'est ça la réponse. Pendant ce temps, Madame Nina Khrouchtcheva, accompagnée de ses filles, se livrait à d'autres occupations. Culturelles au musée du Louvre, où son sourire légendaire rencontrait celui de la Joconde. Plus frivole, un peu plus tard, dans un grand magasin, où elle a pu apprécier à sa valeur la bousculade traditionnelle, légèrement favorisée, il faut le dire, par les photographes. Le séjour à Paris tirait à sa fin, et la foule parisienne attendait M. Khrouchtchev et Mme Nina Khrouchtcheva à l'opéra, où le président de la République les avait conviés à assister à une représentation de Carmen.
leur dernière soirée, ils avaient ainsi rendez-vous avec le tout Paris. Le lendemain commençait à Orly ce qu'il est convenu d'appeler le Tour de France de M. Khrouchtchev. Un Tour de France en 5 jours. Bordeaux était la première étape de ce voyage. Le président soviétique devait y trouver à l'hôtel de ville un visage connu. Le maire, M. Chaban-Delmas, lui a récemment rendu visite au Kremlin à la tête d'une délégation de parlementaires français. Petit échange de cadeaux. M. Khrouchtchev ne voulut pas remettre le sien, un fusil de chasse, sans indiquer la manière de s'en servir. Au château de Pau, où l'accueillait la municipalité de la cité béarnaise, le président soviétique se retrouvait avec un agneau sur les bras. Un cadeau sonne tout embarrassant. En Languedoc, M. Khrouchtchev devait visiter la station de pompage de Pichegu, pièce principale du système d'irrigation de la région du Bas-Rhône. Et on lui offrit cette fois des épis de maïs, l'une de ses passions, dit-on. Et c'était Nîmes. La pluie n'avait pas découragé les applaudissements. Et M. Khrouchtchev n'avait pas perdu son sourire. L'armée rouge est à Paris. Pas tout à fait, disons plutôt le commando de choc du charme slave. Après les chants, les danses, car cette formation de 185 artistes en uniforme possède aussi ses danseurs qui font preuve d'une stupéfiante virtuosité acrobatique.